Bonjour à tous les gars, c'est Max59, on reprend les bonnes habitudes et on reprend les vidéos des prédictions des grosses affiches. Donc voilà, à noter que maintenant les SBC sont le jeudi soir, c'est plus le mardi comme l'an dernier. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais pas sorti la semaine dernière la vidéo, parce que vu que le jeu sortait officiellement le vendredi, je me suis dit les premiers ça sera en fait mardi, la première SBC grosse affiche ça allait être mardi et pas du tout, et il nous a pris tout à la sortie jeudi. Donc là, je vous fais les prédictions pour le prochain SBC qui va sortir le jeudi 4 octobre, donc il y a beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, big up à Raymond La Science. Voilà, c'est vrai que l'an dernier, il commentait pas mal sur les vidéos en rajoutant des rencontres. Et donc là, du coup, il m'a aidé à regarder les rencontres, donc il m'a donné pas mal de rencontres. J'en ai rajouté quelques-unes à celle-là, mais globalement, gros big up à toi, mec, ça fait vraiment plaisir. Et bah, voir si on fait ça toute l'année, hein, si jamais t'es chaud et tout, moi je suis chaud parce que tu donnais pas mal de rencontres que je citais pas et qui finalement tombaient dans les SBC. Donc du coup, ça peut être intéressant de proposer vraiment le plus d'affiches possible et de gros matchs. Donc, pour commencer, un petit Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, gros match de Ligue 1, je l'ai mis en premier. Voilà, c'est toujours un gros choc chaque année. Le PSG va-t-il subir sa première défaite de la saison en Ligue 1? Je vous rappelle, 8 matchs, 8 victoires, c'est historique. Donc du coup, ils ont gagné un record qui datait de 1930 ou un truc comme ça. Donc du coup, est-ce qu'ils vont réussir à battre le record ou pas, sachant qu'il y a l'Olympique Lyonnais? Donc vous pouvez investir sur du Bernat, par exemple, du Nkunku, Marcelo et Tété. Je suis assez sur un côté un peu défensif, comme ça je sais qu'ils sont pas très loin. Deuxième match, on a Club Bruges contre le Standard de Liège. Donc dans ce cas-là, j'ai pris deux Belges, par exemple Miekele et Van Aken, Carcela, Gonzalez et Letienne. Voilà, par exemple, ça fait un peu de collectif. Donc toujours deux joueurs par club pour être sûr, parce que l'an dernier, des fois, il fallait un joueur de chaque, deux joueurs de chaque. Donc voilà, dans le doute, j'en prends deux et comme ça, je suis tranquille. Ensuite, on a aussi un gros match au niveau de la Serie A de l'Italie, avec la Lazio de Rome contre la Fiorentina. Donc du coup, moi j'ai pris Cataldi, Berisha, Verretou et Essérik. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Après, il y a plein d'autres joueurs, hein, donc n'hésitez pas à spammer sur le marché, à prendre les moins chers. Après, j'essaie de prendre quand même des joueurs or, parce que des fois, il y a quand même le critère note qui est important à prendre en compte, et du coup de pas se coincer avec des joueurs bronze et devoir compenser à côté en mettant en achetant des joueurs à 2-3 000 crédits. Donc là, comme ça au moins vous pouvez voilà, vous êtes tranquille là dessus autre gros match au niveau du Portugal, on a le FC Porto contre Benfica. Donc toujours un gros match, hein. Donc par exemple, j'ai pris Soares Otavio, extra lien vert en plus, même nationalité, même club, donc avec ça c'est top, ça peut servir. Samaris et Corchia, voilà, comme ça je sais que j'ai un petit côté, je peux faire DD, MDC, MD, BU, donc voilà, il y a de quoi faire avec ça. Et ensuite, on a au niveau du Mexique, donc ça encore merci à Raymond pour m'avoir donné cette rencontre là, on a América contre les Tigres de Gignac, donc du coup, d'où l'achat de Gignac et Pizarro, voilà. Et ensuite de Uribe et Aguilera. C'est pas la chanteuse, c'est un joueur qui est défenseur central, qui a 3 ans de plus que moi d'ailleurs, bref. Donc voilà, c'était pour la petite blague, pas drôle. Grosse affiche 2, donc j'ai fait 3 équipes tellement il y a de grosses rencontres qui vont tomber. Donc ensuite, petit derby au niveau de la Russie, derby de Moscou avec le Lokomotiv Moscou contre le CSKA Moscou, bien sûr. Donc par exemple, il y a Hernandez, Akinfev, Smolov et Tarasov, voilà, donc là, extra lien vert aussi, donc ça peut être vraiment intéressant de partir là-dessus. Rencontre qui peut vraiment tomber. Au niveau de l'Espagne, ensuite, j'ai mis, on a Bilbao contre la Real Sociedad aussi, donc du Rulli, du Moreno, du Kappa, du Iturraspe, voilà, tout simplement. Des joueurs qui ont quand même une note potable, hein, comme là, le petit Rulli à 81, donc en plus, moi, il est non échangeable. Mais après, si vous avez d'autres joueurs de ce club déjà dans votre club, prenez-les, pas forcément besoin, vous n'avez pas forcément besoin d'en racheter, hein. Vous pouvez aussi les utiliser, mais quand je vous proposerai les solutions, du fait que je vous ai proposé ces joueurs-là, vous les retrouverez très probablement dans la solution que je vous proposerai. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre les mêmes, comme ça vous partez sur les mêmes bases si jamais vous suivez mes solutions de SBC. Ensuite, on a un match, donc celui-là, je le mets entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on a déjà Liverpool cette semaine. Mais IE est capable de tout et peut nous remettre City-Liverpool, donc c'est deux équipes qui n'ont pas perdu, si je dis pas de conneries. Je vais voir le classement vite fait. Effectivement, les deux sont invaincus, 19 points, donc 6 victoires, 1 nul de chaque côté, donc
ça peut être un match assez décisif pour la suite de la saison. Donc voilà, pourquoi j'ai mis ce match-là aussi. Donc Mangala, Bravo, Alberto Moreno, Henderson. Ensuite, on a un petit derby au niveau de la MLS. Donc ça aussi, c'est grâce à Raymond qu'on l'a. Celle-là, je ne l'avais pas forcément remarqué. Toronto contre les Whitecaps, donc Vancouver en fait. Donc du coup, j'ai pris du Marinovic, Taibert, Altidore et Victor Vasquez, par exemple. Avec ça, ça va permettre de couvrir pas mal de choses. Petit derby au niveau de la Grèce entre l'Olympiakos et l'AEK Athènes, donc deux des plus gros clubs. Donc moi j'ai pris Eric Moran, André Simoes, Guerrero et Daniel Podence. Voilà, avec ça, ça permet aussi de parer à l'éventualité de cette rencontre-là. Et la dernière équipe, on y arrive enfin, dernière partie de la vidéo. Donc un peu moins rempli, je vous l'accorde. Ça aussi grâce à Raymond. Donc le premier contre le troisième au niveau de la Corée, donc on a le club de Jeonbuk Hyundai contre Ulsan Hyundai, donc ça peut être un match qui peut tomber, et les joueurs sont vraiment pas chers en ce moment, je les avais vraiment payés 300 crédits, donc dans tous les cas, on a toujours au cours de l'année cette rencontre-là qui tombe avec des joueurs de ces clubs-là, donc je me dis que dans tous les cas, même si ça tombait pas ce week-end, ça servira un jour ou un autre, donc finalement c'est assez intéressant. Donc vous pouvez acheter par exemple Choi Chul-sun, Yang Un-yo, Park Yong-woo, Kim In-seong, et voilà, du coup, vous pouvez partir là-dessus. Autre match, c'est un match au niveau de la Pologne, entre la Cracovia et Wisla Cracovie, donc voilà, un petit derby assez intéressant. Donc on a Kort, Bacha, Elik, Budzinski, Rapa, qui peuvent être intéressants d'acheter. Vous voyez vraiment les prix auxquels je les ai achetés sur PS4. Hein. Autre gros match, le LOSC. Voilà, j'ai mis le petit drapeau en honneur du LOSC et de sa victoire 3-0 face à Marseille. Vraiment un gros match, c'est vrai que c'était un match assez chiant au début et finalement Pépé a fait la différence en provoquant deux pénaux, donc on s'en sort bien, ça aurait pu basculer pour l'OM aussi hein, sur une autre attaque, mais je pense que c'est quand même le LOSC qui méritait le plus la victoire. Bref, on n'est pas pour passer parler de ça. Donc on a le LOSC qui est deuxième qui affronte Saint-Etienne quatrième, donc vraiment une rencontre qui peut tomber. Celui qui gagnera sera potentiellement deuxième, puisqu'il y a Montpellier qui doit être entre les deux, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, match qui a toujours été tendu entre les deux équipes. Je pense que IE peut nous mettre ce match-là. Donc on a Fonte, Maya, Subotic et Sennaez, voilà par exemple. Et pour finir, un petit match entre le Barça et Valence. Donc voilà, Diakabi, Coquelin, Silesen et Mounir. C'était la fin des rencontres que j'ai trouvées. En tout cas, si jamais il y en a d'autres qui ne sont pas cités sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que tout le monde puisse en profiter, parce qu'on est là pour s'entraîner les potes, donc le but c'est de se mettre le mieux possible, et de se faire du bénéfice, ou de pas payer trop cher ces SBC, donc voilà en tout cas les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir, en tout cas on se retrouve pour les prédictions et les grosses affiches la semaine prochaine, ça sera le lundi entre 19h et 20h, la vidéo elle sera publiée le lundi entre 19h et 20h, Et puis bah voilà, donc les gars, c'était Maxus59, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et like and sub.